Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour la suite de Resident Evil 1 avec ce connard de Chris. Voilà. Ah, tu fais le scénario de Chris aussi. Oui, oui. Du coup, j'avais trouvé des clés. J'avais quoi comme clé? J'avais la clé armure et la clé manoir. Ouais, bon, la clé manoir, tu pourrais me dire ce que c'est comme clé au lieu de me dire clé manoir, connard. Clé manoir. Un bouclier gravé, voilà. La clé bouclier et la clé armure. Donc du coup, j'ai plein de portes à ouvrir, je suppose. Bon, on va d'abord aller visiter le deuxième étage, parce qu'il y a plein de salles qui sont pas ouvertes. Donc, let's go. Par contre, faudra m'expliquer, encore je comprends qu'il y ait des écrans de chargement, tu sais, quand tu montes au deuxième étage, mais pourquoi tu dois appuyer sur X pour monter des escaliers qui ne provoquent aucun écran de chargement? Je ne sais pas. Je veux dire, Resident Evil 0, ils ont prouvé que c'était possible, hein. Alors, du coup, si je vais par là, ok. Il y a des portes que j'avais pas encore ouvertes. Donc oui, je suis en compagnie de Chiro, Zetri et Drago, hein. Dites bonjour. Salut les gens. Voilà. Vous avez vu comment ils sont obéissants, je les ai bien dressés. Ouah, ça nous parle mal. Non, non, ça vous parle comme je dois vous parler, c'est tout. C'est sexy, c'est Maître Nasband qui te donne les ordres. Mon dieu, what the fuck. Bon, du coup, je suis là, ah oui. Ah non, je me souviens de cette zone. Heureusement, il y a les Hunters qui sont pas encore arrivés parce qu'eux, ils sont méga chiants à tuer. Surtout avec Chris qui n'a pas beaucoup d'armes. Bah, disons que j'attends d'avoir le fusil cassé pour avoir le fusil à pompe. Parce que je me doute que c'est ça que je dois faire. Hein. Oui. Non, parce qu'avec Jill, oui. Tu le récupères aussi, mais ça te sert à rien, en fait. Donc du coup, moi, mon fusil cassé avec Jill, il a fini dans le coffre et il a fini la partie dans le coffre. Du coup, ouais, de ce côté-là, je peux rien ouvrir parce qu'il y a la porte avec le numéro d'accès que je sais jamais si je vais l'ouvrir un jour. Vous n'avez pas le numéro. Mais tu sais quoi, je crois que je l'aurai jamais ce putain de numéro et tant que ça m'empêche pas de finir le jeu, j'en ai rien à foutre. Le numéro 2 c'est une porte avec un numéro d'accès dans le manoir. J'ai jamais trouvé le numéro d'accès. Avec Jill, je l'ai pas trouvé, je me doute bien qu'avec Chris, je vais pas le trouver plus. Ou alors c'est encore une connerie où il faut faire avec un disque émo, hein, et puis retourner tout le chemin dans le manoir pour ouvrir la porte pour avoir un bonus de merde. Alors non, ça m'intéresse pas du tout. Non, non, ça n'ouvre rien. Je rassure. Ah bon? Ouais. Ça ouvre quoi alors? Je sais pas, mais ça ouvre pas de bonus cachés, parce que tous les bonus cachés, tu les obtiens ou en finissant le jeu, ou en tuant des boss. D'accord. Mais attends, j'étais déjà allé dans cette pièce, pourquoi il me dit que cette pièce je l'ai pas visitée? Peut-être parce que ça va pas sauvegarder. Oui, c'est là où il y a les corbeaux, quoi. Ce qui est génial, c'est quand tu vas sur le balcon là où il y a les corbeaux, tant que tu vas pas regarder le cadavre, les corbeaux n'arrivent pas. C'est merveilleux. Oh oui. Surtout que le cadavre là, avec Chris, il n'a pas le lance-roquette sur lui. Très drôle. Et d'ailleurs, j'ai adoré. Il a des balles de pistolet si tu veux, Naz. Ah ouais? Ouais. Ah cool, je vais aller chercher alors. De toute façon, les corbeaux ils sont faciles à éviter. Je te dis, la seule chose qui manque dans ce jeu, qu'ils ont corrigé par la suite, c'est le fait de pouvoir se retourner rapidement. Parce que là, se tourner comme une aiguille d'horloge, hein, quand tu veux fuir quelque chose. C'est pas pratique, bizarrement. C'est lourd. Ouais, on va. Oh mon dieu! C'est Forest, il a pas couru assez vite, il a pas couru assez vite. Oh mon dieu, Naz, non. C'est si. Pas droit. Non. Mais il a pas de balle de pistolet, qu'est-ce que tu racontes? Ah si. Si, si, il en a. Il faut refouiller le cadavre. Ok, bon. La nécrophilie, quand t'aimes fouiller les cadavres. Oui, non, mais je fouille pas l'intérieur des cadavres, hein. Je fouille les vêtements du cadavre. Je fouille les vêtements du cadavre, espèce de gros dégueulasse. Ouais, de suite. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est à quel point tu dois faire des allers-retours avec Chris. C'est hallucinant. Déjà, tu vois, avec Jill, t'as le passe-partout, donc le premier bureau que tu trouves, bah, tu l'ouvres avec le passe-partout. Hein. Avec Chris, comme t'as trouvé la clé bureau et que tu sais plus où se trouve le bureau, tu le fous dans le coffre en attendant, donc tu dois retourner au coffre. Puis t'as toujours pas trouvé le coffre.
Non. Alors attends, je débarque de où là? Je débarque de là, ok. Donc il faut que j'essaye cette porte là. Non, c'est pas cette porte là. Je crois que je me suis planté. Non mais mettre une petite flèche pour te dire où tu es sur la map, ça aurait pas tué quoi. Putain. C'était trop facile à coder. Bon bah du coup il me reste coder une map. Une map où tu te paumes facilement dessus, bah ça c'était plus dur à coder, du coup on a préféré prendre la map de merde à coder. Bon bah je crois que je vais devoir bientôt combattre le serpent aussi hein. Snake. Oh. Pardon. Voilà, non, là j'ai trouvé un beau bug du jeu. J'ai monté des petits escaliers qui ne provoquent pas d'écran de chargement et le zombie il est en train de se percuter contre les escaliers en mode merde, j'ai pas été codé pour ça. Ah, mes escaliers. Ouais, l'ordi a un petit problème. Et ce qui m'énerve avec ce putain de jeu, c'est que autant sur Resident Evil 2, j'arrive à savoir si les zombies sont morts en regardant s'il y a une trace de sang en dessous d'eux, dans Resident Evil 1, ce jeu est tellement putain de sombre que j'arrive jamais à voir. Bon, du coup, est-ce que c'est ça la pièce au serpent? J'aurais dû sauvegarder avant de rentrer, bordel de merde. Non, c'est pas ici. Ok. Par contre, cette pièce me dit strictement rien. Il y a quoi ici? Une bougie. Merde, le briquet. Putain, je pense qu'il faut que j'allume la bougie. Ou alors c'est juste une pièce où je peux avoir des chargeurs de flingue. Ah non. Non, non. Il y a une armoire à pousser. Je suppose que ça change rien. J'ai pas besoin d'allumer la bougie. Non. Ok. Y'a quoi ici? Merde, il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, tu vois? Tu vois, connard, là, le jeu, il me dit, en gros, va chercher le briquet pour allumer la bougie, espèce de débile mental. Parce que quand bien même Chris, il a des mains pour fouiller dans l'armoire, il a pas envie de le faire parce qu'il voit pas ce qu'il fait. LOL. Trop peur qu'il y ait un zombie qui sort de nulle part, tu l'auras entendu. Et le pire, c'est que là, je vais devoir aller au coffre qui est à 10 000 km de là pour chercher ce putain de briquet, tout en faisant bien attention à me rappeler du chemin que j'ai pris, parce que je vais pas m'en souvenir. C'est quand même hallucinant que j'arrive à me perdre à ce point-là dans ce manoir et dans ce jeu qui est pourtant beaucoup plus petit que Resident Evil 2. Sérieusement, j'arrête pas de me perdre dans ce jeu. T'as qu'à regarder les vidéos sur Resident Evil 1, hein, les trois quarts du temps je te fais des accélérés pendant que je cherche mon chemin. Puis bon, les trucs que je comprends pas non plus, c'est certaines salles qui ont de la musique d'ambiance, certaines salles qui sont silencieuses, ils avaient pas assez de sous pour payer des orchestres pour toutes les salles ou quoi? Oui bon bah t'as beau miauler parce que t'as faim, la mère elle est pas là là, donc tu vas attendre. Ok, bon, au moins je connais le chemin pour aller au coffre le plus proche par cœur. Je l'ai retenu. Et j'en suis fier. D'ailleurs, Shiro. Oui. Tu sais, Rebecca Chamber, hein, je l'ai rencontré. Hein. Oui. J'ai fait l'énigme du piano, tu dois la laisser apprendre à faire son putain de truc de piano là pendant des heures jusqu'à ce qu'elle arrive à l'avoir juste. Du coup, j'ai eu le blason, ce qui m'a permis d'aller à l'horloge, de récupérer la clé, etc., etc. Puis, tu sais, il y a un moment où elle te demande « Voulez-vous que je vous accompagne ?» Je lui ai dit « Oui !» Hein. Et après qu'elle ait fini de jouer du piano, que je sois allé chercher le blason, elle est restée dans la salle. Elle m'accompagne pas. Non, mais fuck. Non, mais je veux dire, Shiro, je dois faire un truc spécial pour qu'elle m'accompagne, ou... Non, je sais pas, j'ai jamais compris non plus, hein, ça bug à chaque fois, moi aussi. Elle me demande, voulez-vous que je vous accompagne? Oui. Ah, ben je vais rester là alors, hein, si vous voulez que je vous accompagne. Non, mais c'est ça, ben attends, je vais quand même... pas prévu pour être gentil, hein. Je vais quand même essayer de retourner dans la salle où il y a Rebecca, parce que je suppose qu'elle a pas bougé de son putain de piano depuis le temps. Je sais pas ce qu'elle lui fait à ce piano, probablement des choses sexuelles. Oh, des choses... Oh. Oui, sexuelles. Squishy, squishy, squishy. Oui, non, mais c'est ça. En plus, Rebecca, pour être franc, c'est un de mes persos... Non, c'est mon perso préféré de la franchise Resident Evil. Hein. J'adore ce personnage. Mais voilà, là, elle m'a fait « Voulez-vous m'accompagner ?» La première fois, j'ai dit oui. Elle me fait « Bon, d'accord, j'ai encore une chose à faire et je vous rejoins. »
J'étais en mode oui, le manoir il est assez grand, donc je sais pas comment tu vas me rejoindre, mais... Ah non, en fait, oui, non. C'est parce qu'elle va venir t'accompagner quand tu seras au serpent. C'est une fois que tu te seras fait mordu et que tu seras empoisonné. Oh, donc si tu lui dis non, en fait, tu crèves comme un bâtard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais t'as vu comment c'est pute? Sérieusement, une décision que t'as prise il y a 40 ans en arrière influe sur un combat de boss. C'est... Non mais c'est tout simplement c'est grand à ce stade. Hein. C'est magique. C'est-à-dire de l'aide, c'est pas grand. D'ailleurs, j'ai pas essayé hein, le coup du fusil à décrocher et de voir Chris se faire écraser, mais j'aurais dû. Juste parce que ce sale con, il a deux places d'inventaire en moins, chose que je ne m'explique toujours pas. Je veux dire, il a une putain de veste qui a l'air d'avoir 17 000 poches, mais il a deux places d'inventaire en moins. Alors, je sais que Jill a deux trous en plus, hein, pour mettre les objets d'inventaire, mais je veux dire, Chris, il a un trou de balle, hein, donc je devrais avoir au moins 5 places d'inventaire, pas 4. Fuck, j'ai raison. Écoute, il est peut-être dans la police ou dans la marine, mais les trucs de ce type-là, c'est pas son kiff, c'est tout. Rien à foutre, c'est une question de survie. Fous-toi les chargeurs dans le cul. C'est tout. Oh putain ça. Tu dois te couper quand même là, voilà. En plus les chargeurs, bah, je veux dire, ils sont longs et cylindriques. C'est bon. Oh mon dieu. Y a pas de souci. Bon, du coup j'ai été récupérer le briquet à Perpète les Oies là pour. Quoi, des oies? Oui, Perpète les Oies. C'est une expression, Drago, tu es trop jeune. Non, je sais, je connais. Du coup, voilà, connard, je vais allumer la bougie, tu vas être tout content, hein, comme ça tu vas pouvoir y voir quelque chose. Débile. Surtout que la bougie, elle est dans l'autre pièce, donc cette pièce, techniquement, elle doit toujours être aussi sombre. Et tout ça pour récupérer des cartouches de fusil que je n'ai pas encore. YOLO. Je le récupérerai où, ce putain de fusil cassé, déjà? Shiro? Le fusil cassé, dans l'armoire de l'armurerie. Et l'armurerie, elle est au premier, elle est au deuxième? Je ne sais plus. Oui, non, parce que comme ce jeu ne te signale rien du tout, hein... Oui, non, je sais que la grande pièce, là, c'est là où il y a le serpent. Je le sais. Bah, de toute façon, tu vois Richard qui est à moitié mort à côté. Ben oui, je sais, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Ça, le truc. Puis de toute façon, je crois que le serpent drop quelque chose que je dois récupérer. Toutes mes places d'inventaire sont prises, hein, donc... Non, il drop rien du tout, c'est... Enfin, dans son trou, il y a un médaillon. Oui, voilà. C'est ça, donc du coup, je vais aller au coffre. Je vais aller ranger mes cartouches de fusil qui me servent toujours à rien pour l'instant parce que je peux toujours pas récupérer le fusil. Logique. Oui. Ah, la logique, tout ça, hein. Ouais, mais pour rendre le jeu intéressant sur Command & Conquer, j'ai mis 7 armées contre moi, et moi, je joue tout seul. Ouais, et ben le jeu est putain d'intéressant, comme ça. Oui, moi, j'y joue en expert. Oui, ben je fais ça en brutal, moi. Hein. Non, mais j'ai toujours joué à la difficulté la plus élevée. Dans Alerte Rouge 2, ça s'appelait Ennemi Malin. Ce que j'adore, c'est que c'était les noms des ennemis, quoi. Les difficultés, t'avais Ennemi Crétin, Ennemi Normaux, Ennemi Malin. Voilà. Ça va. Alors, les ennemis crétins étaient effectivement des crétins. Hein. Aucune défense autour de chez eux. Ils t'attaquaient avec 3 soldats à la fois, puis quand t'envahissais leur base, ils étaient complètement perdus. Hein. Oh mon dieu. Ouais. Oh mon... Ouais. Ouais. Non, quand t'envahissais leur base, ils savaient plus quoi faire. Hein. Par contre, quand t'étais en ennemi malin et puis que t'attaquais avec tout ton bastion de tank là, ouais, il y avait des défenses de partout, il y avait des défenses anti-aériennes, des défenses anti-terrestres aussi, t'avais des tanks Tesla de partout qui est la pire invention du monde. Sérieusement, ils sont juste OP ces tanks dans ce jeu. Dans quel jeu? C'était dans Alerte Rouge 2. T'avais, ça s'appelait, non, c'était les chars prismes. Les chars prismes en gros. Tu pouvais tirer sur une tourelle sans être dans son champ de vision. Et tu faisais masse de dégâts avec. Hein.
Donc du coup, tu pouvais avoir toutes les protections du monde autour de ta base. S'il y avait un char prisme qui arrivait, bah voilà, toutes tes protections, elles étaient bousillées. C'est beau. Bon, du coup, je vais poser les munitions de fusil qui me servent toujours à rien pour l'instant. Et le briquet aussi qui me sert toujours à rien pour le moment. Voilà, je vais mettre les cartouches dans mon inventaire et tout réunir. N'empêche, à Resident Evil, je suis en train de faire une vidéo. Ah. Et du coup, ouais, je mets les cartouches. Mais putain, mec, réunis les cartouches ensemble, sois un peu logique. J'ai 70 cartouches de fusil avec un fusil que je peux pas récupérer parce que j'ai pas encore le fusil cassé qui me permet de le récupérer sans mourir comme un caca. Voilà. Waouh. Oui bon, bah, je vais utiliser un spray de premier secours parce que ma santé elle est pas au top, voilà. Oui bon, après je sais pas, quand tu te fais arracher la moitié du cou par un zombie, je pense qu'un spray de premier secours c'est pas suffisant. Hein. Bah c'est l'ancêtre du steampack hein. Oui c'est ça. Juste une bonbonne que tu te sprays sur la blessure en mode bah voilà, c'est guéri, je pisse le sang docteur. Le déodorant c'est la vie. Voilà. Je pisse le sang, docteur, mais non, vous êtes guéri. Qu'est-ce que vous me racontez là? Prendre de l'herbe. Prendre de l'herbe. Ben oh là là, j'ai mal. Mais tu sais ce qui me fait bien rire, renard? C'est que avec Jill, t'as 6 emplacements d'inventaire. Non, attends. Oui, t'as 6 emplacements d'inventaire. Avec Chris qui a l'air d'avoir une veste et un pantalon qui a l'air d'avoir 10 millions de poches, t'as 2 emplacements d'inventaire en moins. Et puis comme me l'a dit Shiro, à un moment tu rencontres Rebecca Chamber, hein, c'est la fille que tu joues dans Resident Evil 0, et si tu lui dis que non, tu veux pas qu'elle t'accompagne, bah elle te dit ok, d'accord, je vous accompagne pas, mais plus tard dans un combat de boss où t'es obligé de te faire mordre par un serpent qui t'empoisonne, et bah si tu lui as dit non pour qu'elle t'accompagne, elle te sauve pas et tu crèves comme un caca. Voilà, et t'as plus qu'à recommencer le jeu. Super. Bonne chance, connard. Il n'aurait pas marqué au moins cette réponse est cruciale dans le jeu. Oui, ou simplement il te donne pas le choix. Oui. Oui. Genre voilà, je vous accompagne, point, c'est tout. Et puis je veux dire, merde, je veux dire qu'on te donne le choix. C'est une flic débutante qui vient d'être engagée, hein, qui donc n'a pas beaucoup d'expérience sur le terrain, qui te demande de l'aide. Chris, il est flic. Son rôle, c'est un peu de protéger les innocents. Oui. Et je veux dire, ce flic qui a tout juste 18 ans, là, ouais, faudrait peut-être lui donner un coup de main. Hein. Oui, d'ailleurs, son diplôme de médecin, je me demande toujours comment il a réussi à l'avoir. Hein. Oui, bon, elle a dû commencer ses études à 7 ans, hein, c'est une asiatique. Oui, voilà. Elle travaillait déjà d'avance. C'est ce que je te dis, donc. Ben, en fait, je crois qu'elle a pas un diplôme de médecin, hein. Je crois qu'elle fait juste vraiment dans les premiers secours, c'est tout. Ouais, mais tu dois avoir quand même un minimum de connaissances, quoi, donc... Oui, c'est ça. En fait, ouais, c'est un peu puis bon, bullshit. Ce genre de formation, ça prend du temps, quand même. C'est un peu bullshit, j'avoue. Mais bon, on s'en branle. Parce que même si t'as pas forcément la grosse formation de médecin, tu dois quand même avoir un minimum de connaissances pour soigner les mecs, quoi. En fait, je crois que j'ai l'explication. Oula. Non, c'est pas Yu-Gi-Oh. Hein. L'explication, c'est Capcom n'avait strictement aucune idée de combien de temps ça prenait pour devenir un médecin à l'époque. Oui, voilà. C'est juste ça, j'en suis certain. Les mecs, ils avaient pas la moindre idée que la médecine, c'était minimum 7 ans d'études. Donc ils ont dit, ouais, voilà, on va faire une médecin de 18 ans. Ce qui fait qu'elle a commencé ses études à 12 ans. À 10 ans, à peu près. Oui, parce que c'est minimum 7 ans, hein, mais c'est le minimum, ça. Donc du coup quelle pièce j'ai pas encore vérifié. Ok. Donc je et pense... plus la formation militaire aussi. Oui aussi. Bah oui, il faut y penser. Ah, parce qu'elle elle est quand même... parce que bon, tu y vas pas comme ça, bah tiens, là je vais être militaire, d'accord, allez sur le terrain. D'accord. Non, parce que, en plus le pire c'est qu'elle est pas juste flic. Hein. Elle est membre d'un commando d'élite. C'est pour ça. Enfin, en plus formation militaire et en plus d'élite, voilà, non mais voilà. Impossible. Attends, elle est née comment c'est déjà sa formation militaire en fait. <C'est ça. rire>
Oh, on s'est déjà mis mettre un gun dans les mains dès qu'elle est née, t'es. C'est une magnifique petite fille, on va l'appeler... Elle est sortie avec le gun. Elle est sortie avec la calache. C'est une magnifique petite fille, on va l'appeler Rebecca. Pourquoi elle est sortie avec un 9mm? Quoi, elle fait 9mm? Non, non, elle est sortie avec un 9mm. Ah, c'est ça que j'ai eu du mal à sortir? Oui, madame, c'est ça. Vous avez de la chance, il y avait les points de sécurité, madame. Oh, putain, c'est clair. Ah oh, putain, mais quel délire, quoi. Oui, alors, le report... Là, t'as le médecin, tu sais, qui veut lui mettre la fessée, t'as la gamine qui pointe le flingue sur la tempe en mode « Vas-y, essaye !» Vas-y, connard, vas-y. Vas-y. Fais-le. Moi, je me rappelle de cette pub qui passait à l'époque, qui était vraiment fun. Hein, où tu vois, bah, c'est un accouchement, hein, la nana, bah, elle accouche et tout. Et puis t'as le bébé qui, enfin le médecin qui prend le bébé par les pieds et puis qui lui donne une tape sur le cul pour le faire pleurer, hein. Ouais. Là, tu vois le père de famille qui se jette sur le médecin pour lui péter la gueule. What the fuck? En mode, t'as touché à ma fille, enculé. What the fuck? N'empêche, c'est génial. Le ça, mec en mode, mais. What, monsieur? Pardon. N'empêche, ça c'est génial, tu vois. Je veux dire, tu viens de naître, paf. Tu fais taper sur le cul à naissance. Youpi, bienvenue sur Allez, Terre. Allez, tiens, connard. Regarde, je ferai de barrière plus tard, connard. Bienvenue sur Terre, enculé. J'espère que t'aimes. Tu vas voir ce monde de merde, enculé. Du coup, ça me fait quand même bien rire parce que bah, je crois que j'ai visité tout ce que je pouvais visiter et j'ai encore des clés que je sais absolument pas à quoi elles me servent. C'est cool. C'est génial. Quoique, je peux revérifier l'autre côté en vitesse, mais j'ai l'impression que ça mène nulle part. Ok, bon. Ah putain, quoi. Là, ça mène ici. Je vais juste vérifier ces deux portes et... Si ces deux portes ne s'ouvrent pas avec les clés que j'ai, ça veut dire que je vais devoir combattre ce putain de boss avec juste... mon 9mm. Ça va être très très fun. Je le sens. Wouah. Putain. What the fuck? Je regardais un peu sur le site de Star Citizen les vaisseaux qui étaient actuellement en vente. Ouais. Et les échanges qui étaient possibles et tout. Et je viens de voir, il y a le NPUV Cargo, donc en gros, pour te donner une idée, c'est une petite navette qui est censée transporter des passagers ou des ressources et tout d'un capital ship à un autre, tu vois. Donc c'est vraiment le tout petit vaisseau utilitaire qui va d'un gros vaisseau à un autre, hein, c'est tout. Il ne sert à rien d'autre. Il peut pas se battre, il peut pas aller vite, il peut pas aller loin. Voilà, c'est juste la petite navette, hein, c'est tout. Ça ne fait rien d'autre. Pour 0€, tu peux avoir l'Aurora. Ça fait genre, voilà, non, ce... Non, un Aurora ne vaut pas plus que cette merde, non. Non, non. 0€. Oui, pour 0€, tu peux les changer, tu vois, c'est genre les mecs en mode, non, un Aurora, ça vaut ça, c'est tout, c'est... que dalle. 35€, donc, normalement, ouais. Merde, je me suis trompé de porte. Putain, j'arriverai jamais à me repérer dans ce putain de jeu, c'est officiel. Hein, je t'imagines le mec... Oui. Vas-y. J'ai dit, t'imagines le mec qui connaît pas Star Citizen... Qui voit ce petit vaisseau utilitaire et qui, vu que le mec voulait faire du marchand, tu sais, il est en mode ah bah c'est cool, il prend ça pour commencer. Oh là là. Le mec qui fait une livraison d'une planète à une autre 3 ans plus tard. Et là t'as le mec qui l'a. Mais putain, vous êtes où? Ça fait 3 ans que je vous attends. Bah écoutez, mon vaisseau va pas très vite. Hein. Mais vous savez quoi? J'ai tel machin. C'est une navette pour aller d'un vaisseau. D'un capital ship à un autre, vous le savez ça. Ah bon? Ouais, mais il transporte des trucs! Il est d'accord! Vous êtes okay, au courant qu'il y a deux systèmes à traverser là! Et tout d'un coup, tu vois un vaisseau qui partir du passe à côté de lui. Et là, alors qu'il est bientôt arrivé, attaque de pirates.
Oh putain. Oh mon dieu. C'est bon, il me reste. Les pirates, ils arrivent, tu sais, lâche le cargo. Le mec s'est déjà tiré une balle, en fait. Oui, il avait pas attendu, quoi. Le mec, il a même pas attendu qu'on lui dise, il s'est déjà tiré une balle tout seul. Il disait, en fait, le vaisseau, il avançait tout seul depuis des années, il était déjà suicidé. Bon. Et qui était mort de vieillesse. Vous avez utilisé la clé bouclier. Ah bah dis donc. Cette clé est inutile. La jeter? Non, je vais la garder pour ma collection de clés, comme d'habitude, connard. Non mais c'est question, quoi. Bah tout l'inventaire est limité. C'est surtout que si ça te servait à quelque chose de les garder, mais non. Eh oui, c'est bel et bien la pièce. Putain. C'est bel et bien la pièce avec le serpent que je dois effectivement combattre au 9 mm. Comment te dire que mes chances de survie sont proches du zéro? Avec des mots. Voilà. En fait, je sais pas, je vais juste tenter de le bourriner sans esquiver ses coups. Parce que je vois que ça qui peut marcher. Oui. Ouais. Ouais, le boss qui prend la moitié de la pièce et puis qui t'empêche de te déplacer, c'est pas normal ça. Oui, je suis en mode poison, mais j'ai encore la santé qui va, ça va. Ok. Un petit val. Ah. What? Mais j'étais en dehors de son rayon d'action. Bon, je vais faire une sauvegarde, utiliser l'herbe verte et juste le bourriner. Merci Zorago. De rien. Voilà pour être ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. D'accord, je l'ai eu au 9 mm. Mais j'ai dépensé beaucoup trop de balles, donc je vais le refaire. Pardon. Ah, voilà. Ouais, j'ai réussi, mais bon, ça ne va pas. Oui, c'est ça, en fait, j'avais dépensé beaucoup trop de balles avec mon gun, là, donc du coup. Là, j'ai entendu la musique qui s'arrête, je vois le serpent se barrer en buguant à moitié dans le sol, hein, c'est un jeu PlayStation 1, rappelons-nous-en. En faisant... Oui, c'est à peu près ça. Et du coup, il a laissé un médaillon derrière lui. Lololol. Je vais le récupérer. Prendre le symbole. Ouah, cette arme trop stylée. Oh mon dieu. Je suis tellement sûr que je vais avoir droit à des doublages de merde là, à la sortie de la salle en mode oh mon dieu. Je suis empoisonné. Que faire? Ah là là. J'adore le nom de l'arme. Apocalypse Arme Ballistique Gatling. Ouais, waouh. Noir allonge Bénivore. Mon dieu, le poison fait effet. Chris. Am I poisoned? Give me serum. Zut, donnez-moi du sérum. Oui, parce que tu es des zombies, c'est normal, mais dire merde dans les sous-titres, c'est pas possible. Sérieusement, il dit zut? Oui, il dit zut. Oh là là. Oh putain. Mais le mec il est empoisonné. Oh là là. Oh, oh, oh bah zut alors. Ah bah. Oh bah zut, c'est ballot quand même. Bon, voilà, du coup je joue Rebecca, ce qui est sympa, mis à part que j'ai un flingue avec que 15 balles dedans. Ça je t'avoue c'est moins sympa. Oh ah zut, bon. Quelle tristesse. Ah là là, c'est très triste. Je suppose que je dois juste passer mon temps à éviter tous les zombies dans la zone. Ah. Et d'ailleurs, si Rebecca avait un gun dès le départ, pourquoi elle m'a envoyé du spray au poivre sur la gueule quand je suis rentré dans la pièce la première fois? Tu pensais franchement que ce serait utile contre des zombies? Du spray au poivre, quoi. Je veux dire, il essaye pas de t'agresser sexuellement, hein. Il essaye de te bouffer. Tire. Oh mon dieu. Allez, voilà. C'est par où? Je crois que le moment où tu dois aller chercher du sérum, en fait, le spray anti-poison, c'est le seul moment où t'as un objectif clair sur la map. Où l'objectif est annoncé, où on te dit, tu dois aller là.
Mais je crois que c'est le seul et unique moment, hein. Parce qu'autrement, la map, elle te dit juste où tu es, mais par contre, tes objectifs... Ah quoi, les objectifs? Ça se mange? On s'en branle des objectifs, tu sais, moi. Oh non, je suis deg. Quoi? Je regardais, je viens de voir qu'on pouvait reprendre le petit buggy que tu pouvais avoir à un moment... au tout début du développement du jeu, je sais plus ce qu'il fallait faire pour l'avoir. Ouais. Je crois qu'il fallait acheter le constellation avec un grand hangar et on te donnait un petit buggy pour faire le con. Et là, je viens de voir qu'il était achetable avec des UEC. Du coup, j'ai regardé combien j'avais de UEC, j'en ai que 11 000, je sais pas comment on fait pour en gagner d'autres. Ah merde. Je suis dégoûté. Je veux dire, un putain de petit buggy pour faire n'importe quoi dans le hangar, c'est quand même ultra important. Bah oui. Bah oui. C'est clair. Bah, t'as quand même... Je veux dire, t'avais au lancement du jeu, quand il y avait que le hangar, il y avait des mecs qui s'amusaient avec le buggy à essayer de faire des tremplins et tout pour monter sur leur vaisseau avec le buggy, enfin c'est n'importe quoi. Bah dis donc, ça tombe bien, il y avait du sérum anti-poison, c'est spécialement pour le poison du serpent géant qui a muté avec le virus. Dis donc. C'est... Quel heureux hasard. C'est bien pensé. Non, mais... Quel heureux hasard. C'est expliqué parce que le serpent, il est... Allez. C'est une des premières armes qu'ils ont fait, du coup ils ont extrait son venin. Ah. Et du coup ils ont pas pensé à le buter après parce qu'ils se sont dit, boah, un serpent géant dans le manoir. Pff, qu'est-ce que ça risque? Hein? Lol. Non mais c'est vrai que la campagne avec Chris elle est juste chiante. Hein. T'as moins d'inventaire, t'as moins d'armes, y'a plus de zombies, y'a moins de munitions. Même en facile! Sérieux, ils auraient pu mettre que la campagne de Jill en incluant le personnage de Rebecca dedans, et ça passait pareil, hein. Chris, à la limite, tu t'en branles. Tu le fais juste parce que tu veux finir le jeu à 100%, hein, c'est tout. Et aussi parce que j'ai envie de te faire du mal, des fois. Oui, non, mais moi, je le fais ça, principalement parce que j'ai dit que je ferais les Resident Evil en entier. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, pour Resident Evil 2, je vais aussi faire le scénario A de Claire et de Léa. Ah. Même si celui de Claire il change pas grand chose de mon point de vue. Bon et du coup je sais plus du tout où était empoisonné ce connard. J'espère qu'il m'attend pas trop vite. Hein. Oui, parce que sinon il va être déçu. Bah ça va, hein, là j'ai pris mon temps. En fait j'ai bien fait de nettoyer tous les couloirs des zombies et tout et de pas juste les esquiver. Parce que bah là en fait j'ai juste couru jusqu'à la pièce où il y avait l'antipoison et maintenant je recours jusqu'à la pièce où il y a Chris qui est en train de crever. Voilà. C'est juste ça. Par contre j'ai eu une pièce où il y a eu un repop de deux zombies parce que c'est fun. Lol. Ah ouais, tu vas me dire que c'est Rebecca qui a transporté Chris jusqu'à la... Ah, non, ça va. Ça va, elle l'a pas transporté, je me disais. What happened? Oui, que s'est-il passé? Eh bien écoutez, vous avez combattu un serpent géant plutôt que de sortir de la pièce comme un crétin. Et pourquoi je l'ai combattu? Parce que tu es My head is killing me. Ah, il a mal à la tête, oui. Comme moi de plus en plus quand je joue le scénario de Chris, hein, mais je me plains pas. Ah, elle m'a dit d'éviter les ennuis, Rebecca. Ah. Non. Mais bon, hein, je te garantis rien, cocotte. Hein. Voilà, et Rebecca, elle va juste rester plantée ici, maman. Voilà, elle va pas me suivre parce que les limitations de la console, hein, mon petit. Attends. Mon petit, cette console est limitée. Mon petit. Mon petit. Bon bah du coup, je peux aller mettre le symbole machin là. Mon petit, regarde mes animations faciales, elles sont magnifiques, n'est-il pas? Je n'ouvre pas les lèvres pour parler, nous sommes tous ventriloques, mon petit. Pile un fusil. En fait, plus j'y joue, plus je me demande comment la série Resident Evil a pu décoller. Ah, ça. Comment les Street Fighter ont pu décoller? Bah avec Street Fighter 2 qui était un très bon jeu de baston, hein. Super, Resident Evil 2 est un très bon jeu. Bah oui, en fait je crois que la plupart des gens ont plus joué à Resident Evil 2 que le 1, hein, sérieusement. Bah c'est... Mais quand même, pour qu'ils mettent un 2 en chantier, il a bien fallu que le 1... Comme je viens de dire, hein, Resident Evil 1, Street Fighter 1... Voilà.
Mais voilà, je veux dire, pour qu'ils mettent une suite en chantier, il a bien fallu que le 1, il vaille quelque chose, qu'il y ait quand même eu assez de... de pognon qui soit engrangé. Et Street Fighter 1, quand tu vois la qualité, tu te demandes comment c'est possible qu'il y ait assez de pognon qui ait été engrangé. Sérieusement. Moi, la scène qui m'avait fait exploser de rire, c'est quand t'as le joueur du grenier qui te montre le jeu où il se fait défoncer par Sagat, avec la petite flèche qui monte son perso en mode « j'étais lui » si quelqu'un a un doute. Voilà, si jamais vous vous demandez, les mecs. Hein. Ok, du coup, la salle qui était verrouillée, elle est là-bas. Le seul point positif que je peux trouver à ce jeu, c'est que vu que les caméras sont fixes et qu'il y a très peu d'animation, les encodages sous Sony Vegas se font supra rapidement. Donc, c'est même pas un point positif du jeu en fait. C'est l'encodage. En fait, c'est tellement fait à la pisse que Sony Vegas, ben, il va vite. Du coup, En fait, regarde le jeu, à moins qu'il y ait une cinématique ou vraiment l'animation des chargements, tu sais, quand la porte elle s'ouvre ou qu'il monte des escaliers, il n'y a aucune animation dans ce jeu. C'est mort, il n'y a rien. C'est moche. Non, le jeu il est joli. Par contre, les modèles des personnages sont à gerber. Ah. Les modèles 3D des personnages, oui, tu peux voir les joints des polygones, tu sais, sur les bras. Hein. Oh, et de tout le temps, t'as peur que les bras de Chris y tombent en fait. Parce que ça tient vraiment qu'à un fil, hein, ces bras. Non mais putain, mais... J'adore, mais ce que dit le joueur du grenier, c'est vraiment trop ça. Oh chérie, j'adore quand ta cache thoracique sort de ton diaphragme. Oui, c'est ça. Oh non. Juste pour vous montrer les gens, attendez, j'essaie de me rapprocher sans avoir le changement de caméra, voilà, c'est à peu près... Voilà. Regardez-moi cette jointure des bras, t'as les textures qui se chevauchent et qui sont pas de la même couleur, c'est dégueulasse. Les bras de Chris, il est black en haut et blanc en bas, quoi. C'est un demi... c'est magnifique. C'est un demi Michael Jackson, en fait, le mec. C'est beau. Et oui, c'est pas mal quand même. Et oui, je m'en fous que Michael Jackson soit mort, je continuerai à faire des blagues sur lui. Ah. Mais non, il va bien. Et là, je vais repartir refaire ma vie. Bon, du coup, bah, le fusil, je peux toujours pas aller le récupérer parce que, bah. Eh ben, fuck, je pense que j'aurai pas le fusil à pompe parce que j'arrive pas à trouver ce putain de fusil cassé. Donc, bah, fuck my life. Voilà. Fuck my life, la 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 la. D'ailleurs, j'ai toujours les portes avec un casque gravé à ouvrir, mais je trouve la clé avec le casque gravé nulle part dans le manoir. Donc je sais pas, c'est peut-être un zombie qui l'a bouffé, mais je peux pas aller fouiller son rectum pour voir. La clé casque, c'est pour affronter la deuxième forme du serpent normalement. Ah oui. Ouais. Pourquoi il a deux formes sans fuir en fait. Oui. Bah, il s'enfuit une fois et après il est tout pété. Hein. La deuxième fois, en fait, ils t'ont pas fait. Ils t'ont pas fait la technique de oh ben, il s'est fait péter la gueule une fois, mais c'est pas grave, il revient plus fort. Non, et en fait, il redevient tout faiblard, tout facile à tuer en fait. Il me manque un symbole, putain de merde, tu sais, le symbole pour ouvrir la porte qui mène au jardin. Symbole du milieu, est-ce que je l'ai loupé quelque part dans une pièce ou. Ou c'est moi qui suis complètement con, je sais pas. C'est ce que j'ai dit, Naz, en mode est-ce que je suis con ou. Voilà. Ou est-ce que ce jeu est con. Voilà. Non, parce que je me rappelle avec Jill, je les avais eu dans l'ordre. Et le serpent, c'était la dernière pièce qui me manquait pour pouvoir ouvrir la porte. Ça c'est un peu par azur. Hein. Oui. Donc du coup, je pense que je vais devoir revérifier toutes les pièces de ce putain de jeu. Mon Dieu. Bon bah écoute, moi je vais te laisser là, hein. Merci pour ton soutien, connard. Mais de rien, ça me fait plaisir. Ou alors j'ai foutu le truc dans un coffre. C'est possible aussi, je vais aller vérifier. Surtout qu'il y a un coffre pas loin. Ça devrait être juste là, le coffre. Oui, c'est là. Cool. Pour une fois que j'arrive à me repérer dans ce putain de jeu. Hello my friends. Alright, bar. Voyons voir. Bon, du coup, est-ce que j'avais mis. Bon, j'ai la clé du bureau que je sais même pas où elle va parce que j'ai pas rencontré d'autres bureaux dans le jeu.
J'ai essayé d'appeler Jean-Michel Bureau, il est pas venu. Eh non, c'est un connard aussi, Jean-Michel Bureau, attends. C'est ça, quoi, putain, mais... On a pas idée. Non, mais non. Le couteau, le briquet, les cartouches, la clé bureau, l'herbe le verte... Le couteau, le briquet, tout, c'est bon, j'ai tout pour me suicider, c'est nickel. Voilà, c'est il manque plus qu'un petit peu d'essence, et puis c'est bon. Hein. Demandez vos allumettes. Chouchou, allumettes, bidon d'essence... Non mais sérieusement, je dois aller où là le jeu? Tu m'aides pas du tout. Ah. Ah, apparemment j'aurais oublié une pièce. D'accord, bon, on va aller vérifier si c'est pas... C'est pas par là. J'aurais oublié une pièce de l'autre côté du manoir, donc on va vite aller vérifier si c'est celle-là, et si la porte s'ouvre pas, on arrête la vidéo là, hein, parce que... J'ai plein le cul. C'est pas que j'en ai plein le cul, c'est juste que j'ai pas envie de chercher. Au pire, si c'est vraiment que j'ai oublié de récupérer une clé, bah ce sera pour la prochaine fois, hein. Parce que bon, ma patience, elle a aussi ses limites. Hein. Ah bon? Oui. Incroyable! Bah tiens, on peut quand même regarder la mort ridicule de Chris qui se fait abattre par le plafond. Ça peut toujours être drôle. Pardon. Oui, oui, en gros, c'est pour ça qu'il me faut un fusil cassé. En fait, le fusil à pompe, tu le récupères sur des espèces de crochets qui se relèvent quand tu prennes le fusil. Et du coup, il faut mettre un fusil cassé à la place pour éviter que le plafond de l'autre pièce te tombe sur la gueule. Alors avec Jill, tu t'en fous parce que t'as un partenaire qui vient te sauver. Avec Chris, non, tu meurs juste comme un caca. C'est... Ah oui, ils en avaient parlé. D'accord. Non mais c'est intéressant. Non, et ça a l'air quand même que Jill, en gros, là, ouais, bon, bah écoute, moi je m'en branle, là, il va mourir, c'est pas bien grave. Ah, bah crever, connard, de toute façon, je t'ai jamais aimé. Hey, y'a quelqu'un? Gros trou du cul de merde, là. Nooo. Guillaume. Voilà, Vous allez bien, sinon? Non, mais ce que j'aime bien, Shiro, aussi, c'est que avec Chris, les ennemis, ils ripop, mais beaucoup plus souvent qu'avec Jill. Hein. C'est juste ouais, hallucinant. Mais ça, c'est intéressant. Je veux en dire, fait, qui a apprécié de jouer avec Chris dans ce putain de jeu? Pas moi. Surtout que tu te retapes exactement la même putain d'histoire avec un perso différent, c'est tout. Pourquoi tu le fais alors? Bah parce qu'il faut le faire, parce que sinon les fans ils vont encore râler en mode hey, t'as pas fait Chris. T'as pas fini le jeu qui était déjà fini parce qu'en fait au final tu refais la même chose. Oui, c'est juste qu'il y a le personnage de Rebecca, c'est tout. Wow. Prendre le fusil, oui. Voilà, tu vois les petits trucs qui se relèvent. Bon, je vais quand même faire une sauvegarde hein, avant de sortir. Parce que j'ai pas envie de mourir comme un débile. Hein. Et le pire, c'est que si t'as pas sauvegardé depuis longtemps... Parce que, tu sais, les machines à écrire, elles sont pas partout sur la version console. Hein. Donc si t'as pas sauvegardé depuis longtemps, si t'as fait une heure que t'as pas sauvegardé, que t'as récupéré plein d'items et tout, et que t'arrives dans cette pièce avec le plafond qui descend, eh ben tu meurs juste. Tu meurs comme un caca. Ah non, voilà. En fait... Ah non, c'est bon, ils ont bien pensé au truc, tu peux retourner dans la salle. Ça ne bouge pas. Ah merde. Ah d'accord. Ah non, d'accord. Il suffit que je replace le fusil, je suppose, et le plafond il remonte. Peut-être pas. Merde. Poser le fusil, oui. Voilà. Et là, le plafond il est remonté, je suppose. Il y a plutôt intérêt. Oui. Bon, bah on regardera pas la mort de Chris débile parce que ça prend beaucoup trop de temps à se déclencher. Hein, donc. Je crois que ça va foutre non plus. Je veux dire, attendre 10 minutes pour avoir une mort de merde. Non, c'est... C'est pas fun. Je sais pas, je veux dire... Moi, j'aime bien les morts un peu gore des Resident Evil, mais là, c'est vraiment juste attendre 10 minutes pour, je parie, un fondu au noir et puis le cri de Chris derrière. C'est un peu étonnant. C'est ça, naze, en plus. Hein. C'est ça, hein, j'en étais sûr. En même temps, ils ont tellement le don de tout censurer. Bah disons que là j'ai la version Director's Cut qui est pas censurée apparemment, il paraît. Sauf que en fait quand tu y joues tu préférerais avoir la version censurée parce que leurs effets spéciaux sont tellement cheapos que t'es en mode non mais... T'es tellement tué moi. Tu vois Chris s'allumer une clope, mais mon dieu c'est... Waouh. Mais c'est violent. Oh là là. Parce que, mais arrêtez-le, c'est dégueulasse. Dans la version normale il fume pas de clope. Non, dans la version normale, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il... Allez, il recharge un flingue. Ah oui, parce que c'est mieux de montrer aux enfants la recharge d'un flingue que l'allumage d'une cigarette, c'est évident, attends. Non, mais putain, mais...
Non mais ils ont tellement pas le sens de la priorité ces gens, c'est ouf. Non mais par contre la cinématique de début de la version non censurée où tu vois le mec se faire becter par les marionnettes, pardon, les chiens, hein. Les chiens zombies, les marionnettes zombies. Non attends, non mais je peux pas dire que c'est des chiens zombies, c'est des marionnettes, ça se voit tellement. Ça... Non, non, non. Moi aussi la première fois je me suis dit mais c'est bah, pour l'époque c'était pas dégueulasse. Non non, même pour l'époque c'était dégueulasse. Hein, franchement, regarde les films d'horreur qui sortaient à l'époque. C'est de la merde. Regarde les films d'horreur qui sont sortis à l'époque du moment où Resident Evil 1 est sorti, c'est absolument dégueulasse. C'est cheapos. Ça vaut rien du tout, cette cinématique d'intro. C'est de la merde, ça pue, c'est du caca, tais-toi, c'est de la merde. Voilà, voilà. Fermé de l'intérieur, ok. Don't fucking do it. Si cette putain de pièce est fermée de l'intérieur, je suis censé la rejoindre comment? Je t'avoue que je piche pas, là. Voilà, après 5 minutes de bidouillage, je viens enfin de trouver comment m'acheter le buggy. Du coup, je vais avoir un buggy inutile pour me balader dans le hangar. Ah mais non. Ah mais non ça. En plus, je veux dire, j'ai le constellation, donc je peux porter le buggy. Non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte de la... du truc. Sinon, tu sais que ton compte a une genre de motojet qui est bien... Sinon, c'est quand qu'on aura enfin l'émission de... de vente dans Star Citizen? Ça devait sortir avec la 3.0, malheureusement la 3.0 est un peu en retard. Du coup, Chris Roberts, parce que comme tu sais qu'il aime bien d'en foutre plein la gueule aux gens, en mode « Voilà, tu crois que ça avance pas, connard ?» En gros, la 3.0 est retardée, mais vu que des devs ont avancé plus rapidement que prévu, la 3.1 se fusionne avec la 3.0, on aura 5 fois plus de contenu avec la 3.0. Voilà, non mais tout va bien. Quand même, les mecs de base, ils sont... Oh là là, on est complètement à la ramasse. Tiens, j'ai une idée, si on en rajoutait encore plus. Non mais c'est pas ça, c'est que les mecs, ils étaient en mode, on est à la ramasse, on n'a pas fini l'optimisation et tout, si on sort la 3.0, c'est la merde. Et t'as les devs à côté, on a fini le minage normalement pour la 3.1. Eh, mais on rajoute à la 3.0, c'est pas grave, allez hop là. Sinon, j'ai trouvé le bureau à ouvrir, hein. C'était une petite porte de merde que j'avais complètement loupée. Hein, que j'ai dû passer 25 fois à côté sans jamais la voir parce que c'est trop sombre ce putain de jeu. Bordel. Tout ce que je vois là sur mon écran, et me dites pas que vous la voyez très bien parce que oui, je fais des corrections de luminosité hein, sur le montage. Vous voyez pas la même chose que moi. Voilà. Moi, ce que je vois sur mon écran là, c'est un bout de truc jaune qui est censé représenter une poignée. Voilà. C'est... Ah. Ça aurait pu être 3 pixels morts que les devs ils ont oublié de retirer, voilà. Ça aurait été pareil. Oui, j'aurais vu la même chose. Bon, par contre, j'ai enfin trouvé le putain de fusil cassé avec ça. C'est pas trop tôt. Voilà. Bah, ça va le casser surtout. Voilà, mon fusil cassé, wouhou. Donc voilà, après pour l'instant, niveau date, on sait pas trop. Il y en a qui disent qu'elle devrait pas tarder à sortir vu qu'il y a la 2.6.2 qui est sortie. Qui est encore une énorme optimisation, donc il y a des gens qui pensent que la prochaine étape c'est la 3.0 quoi. Donc ça devrait pas tarder, logiquement. Bon, sinon, mis à part ça, c'est très cool, hein, je veux dire, je vais pouvoir choper le fusil et tout, mais il me manque toujours un symbole. Ça me plaît pas du tout. Je suis sûr que je l'ai oublié dans une pièce random quelque part dans ce manoir de merde. Et à vrai dire, ça me fait très 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 peur. Je t'avoue que là, je suis pas rassuré du tout. Refaire pas parce que le jeu a une bonne ambiance, juste parce que j'ai peur de devoir retourner tout le putain de manoir. Hein. Voilà, c'est ça. Non mais le pire c'est que je sais que je vais devoir le faire hors vidéo. Je le sais déjà à l'avance. Hein. Je vais devoir refouiller chaque pièce de ce manoir de merde jusqu'à trouver le bureau ou la table de merde que j'ai pas fouillé. Voilà. Ça va, tu vas trop frustré sinon. Non, ça va. Si tu passes un jour par ici, Drago, je ne manquerai pas au fait de te péter la gueule. Hein. De rien. Je te rassure, ça sera fait. Non, je m'attendais pas du tout. Avec toute son amitié, bien sûr. Voilà, évidemment. C'est marrant, j'ai l'impression du foutage de gueule, là. Oui, du coup, il me manque le dernier symbole, il y a des portes que j'ai... Si je regarde les plans... Hein, voilà, j'ai les plans sous les yeux. Bon, il y a des portes que je peux pas ouvrir, mais c'est genre des portes qui sont fermées de l'intérieur ou que j'ouvrirai plus tard via une autre salle.
Et ouais, ça veut dire clairement que j'ai oublié le dernier symbole dans une des pièces que j'ai déjà visitées. Le suicide. Mais je veux au moins aller récupérer ce putain de fusil à pompe. Puis après j'arrête la vidéo. Non mais, super, sur Star Citizen, il y a une organisation qui m'a invité, c'est la Republica Stellaria de Italiana. Ok, bah non. Non, non merci. Je sais pas que ton pseudo est en français ou pas. Non mais c'est ça, je veux dire, les gens à chaque fois qu'ils parlent d'autres langues qui m'invitent, bordel de merde, mon pseudo est pas assez français ou Ouais, il y a la pierre bleue que je sais plus à quoi elle sert, que j'avais oublié de récupérer. C'est intéressant. Je vais la récupérer. Je vais la récupérer parce que bon. Faut la mettre dans le dans l'œil du tigre et c'est ça qui va te donner le qui te manque. Ah ouais? Ouais. Et je sais plus où il est le tigre, c'est ça mon petit souci. C'est une toute petite pièce. Du coup, tu regardes sur la map, tu regardes la plus petite pièce que tu trouves. Ok. Bah voilà, des conseils utiles. Il était temps, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein, connard? Ouais, bah, et demande ça aux autres, hein. Je suis sûr aussi, ils sont pleins de bons conseils, tiens. Non, les autres, ils ont pas joué à Resident Evil 1, donc du coup. Ouais, bah, ils auraient dû. Non, franchement, pour y jouer moi-même, non, ils auraient pas dû. Reste éloigné. Hein. Oui. N'y allez pas. It's a trap. It's a trap! It's a trap! Oh my god! Je veux dire. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos, contentez-vous de regarder les vidéos. Ne vous laissez pas prendre au piège de jouer à ce jeu. Vous voulez vraiment commencer la saga Resident Evil? Commencez par le 2. Et je suis sérieux en disant ça. Ouais, surtout qu'en fait, bah, y a pas grand chose c'était de. C'était quoi, c'est ouais? Ouais, vas-y! Ouais! Vas-y, mec! Vas-y, mec, ouais! Non, sinon tu disais chaud. Donc, allez. Le 2, il est très bien et en plus, les événements du 1 sont résumés dans le 2. Du voilà. Coup, Donc, du coup, tu t'en fous un peu. L'utilité du 1 m'échappe encore. Bah, l'utilité du 1, c'était vendre assez de copies pour pouvoir en créer un deuxième qui était mieux. Voilà. Voilà. Non, parce que Resident Evil 2, de la saga Resident Evil, c'est mon Resident Evil préféré, hein, franchement. Oui, moi aussi, ça me fait chier d'ailleurs qu'il n'y ait toujours pas de remake. Oui, d'ailleurs, pourquoi ils ont fait le remake de Resident Evil 1 dont personne n'avait rien à branler, hein? Pour le rendre meilleur, parce qu'il était pas top. Oui, non, mais tu peux pas rendre meilleur quelque chose qui était déjà médiocre à la base. Ah non, parce que franchement, le remake, il est bien. Hein. Je sais pas, je regarderai des vidéos. Bah, franchement, déjà de 1, il est plus beau, les doublages sont vraiment mieux. Le jeu, allez, il est plus sympa, il est un peu plus grand, mais il est aussi un peu plus dur. Oui, bon, ça, à la limite, si le gameplay a été amélioré, tu t'en branles oui, un peu. Oui, c'est-à-dire que tu tournes plus comme une horloge. Ah bon? Oui, non, ça, c'est les commandes du 3. Ah, ça, c'est cool. Sinon, j'ai bien aimé le fait que sur Resident Evil 0, ils aient pensé au fait de... Putain, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ah oui, Resident Evil 0, ils avaient pensé au fait de mettre les contrôles normaux, hein, pas les contrôles genre t'appuies sur la flèche du haut, ça va vers l'avant de toute façon. Non, là tu orientes le joystick vers où tu veux que ton personnage aille. Ouais, du coup, je suis où là? Je t'avoue que je suis perdu. C'est fermé. Un casque gravé, ok. Oh non, je commence à attraper une otite, moi. Ah ouais. Zetri, tu me la refiles, c'est pas gentil. C'est pas contagieux, je suis pas à côté de toi, donc fuck you. Putain, ce manque voilà, la réflexion, quoi. C'est ton oreille. Je suis pas à côté de toi, c'est pas contagieux, gamin, alors ferme-la. Ok. Ok. Pardon. Excusez-moi, je déconne. Non, mais je déconne, hein. Oh, puis surtout le ton sur lequel il l'a dit, quoi. C'est pas contagieux. Non, c'est ça. Je suis pas à côté de toi, mais tu vas te foutre. Ok. T'as compris, gamin? T'as compris? Donc je vais en prendre une dans la gueule. Bon, du coup, je veux en finir avec ce manoir de merde. Alors, je vais la trouver, cette pièce à la con. Hein. Écoute, Shiro, si t'as le temps, passe à la pharmacie et prends du Polydexa. Voilà. C'est quoi du Polydexa? Et sois Polydexa. Oh, et taxe-les pas trop, surtout. C'est des gouttes auriculaires. Sinon, écoute pas les deux abrutis, là. Hein, c'est... Ça va pas t'aider. Oh mais putain de suite, ça y est, ça va pas t'aider de les écouter. Attention, tu recevras une taxe, ouais, Texas.
Non mais je suis sûr en plus, hein, pour m'aider, il serait capable de me dire un truc. Tu prends une arme à feu, tu la mets sur ta tempe et tu tires. Voilà. Tu vas voir, c'est radical. Après t'auras plus mal. Ah bah après t'as plus mal, hein. Tu peux essayer. Bon, t'auras mal pendant une demi-seconde, mais t'auras plus mal. Putain. T'auras peut-être un peu froid au cerveau, mais ça ira mieux. Ça rafraîchit, après ça va mieux. Apparemment on dit que t'es un peu froid plus tard, bon bah on prend ça, faut que tu te réchauffes plus tard aussi. Mais qui dit quoi? Tu racontes encore l'autre là? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre une fouille? Eh oui, une fouille! Vous y va, t'as quelque chose à dire? Oui! Frites une fouille? Oh non! Oh non! Si, 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 si. Avec une bière une fois! T'es cliché, ouais, ça bonjour. Me rappelle cette vieille blague là. Pourquoi en Belgique il y a plein de frites par terre? Ah oui, ça. Je sais pas. C'est quand tu leur demandes l'heure, ils regardent leur montre, il y a toutes les frites qui tombent par terre. Oh. Et pourquoi en Belgique il y a plein de frites dans les arbres aussi? C'est parce qu'ils te font un bras d'honneur une fois que tu leur redemandes. Voilà. Oh, putain, mais sérieusement. Et comment tu prendras un belge fou, tu lui dis qu'il y a une frite dans chaque coin dans une pièce ronde. Voilà. Oh, mais non. Mais non, mais putain, mais vous êtes sérieux? Ah bah c'est comme, tu sais ce que c'est la différence entre un Suisse riche et un Suisse pauvre? Vas-y. Le Suisse pauvre, il nettoie sa Porsche lui-même. Non, mais... Un nazi nettoie sa Porsche lui-même. Oui, oui, c'est clair. Oh, ma Lamborghini, elle est en réparation pour l'instant, fait chier. Oui, ce que j'allais dire, alors que t'as pas de permis, logique, hein. Oui, bah attends, je suis un Suisse, donc forcément j'ai une bagnole de luxe. Ah. Attends, c'est l'évidence même. Mais sinon, ta toute petite pièce là, Chiro, je crois que je viens de la trouver, j'ai rien dit. Voilà. Sinon, t'as. Non, mais rien. Bon, par contre, ça va me prendre trois plombes d'y retourner, parce que je crois que les développeurs avaient pas idée de ce que voulait dire le mot raccourci dans ce jeu, hein. Ah bon? Je viens de voir que sur leur site, tu peux voir les vaisseaux en mode hologramme. Ça fait peur, genre tu peux aussi, par exemple, marquer sur l'hologramme le nombre de polygones qui a été utilisé pour faire le vaisseau. Ouais. Waouh. À ce moment-là, ok, imagine pour la frégate du coup en fait au passage. Oh putain. Voilà, tu vois, si Star Citizen était sorti sur PlayStation 1, le nombre de polygones ce serait 4. Voilà. Oui, voilà. Ou alors s'ils avaient essayé de le sortir comme ça, tu mets le jeu dans la console, tu lances la console prend feu. Oui. Non, la console elle serait juste en mode oui. Bah regarde-le bien, le logo PlayStation, hein, tu vas le voir encore un sacré moment jusqu'à que j'ai chargé le jeu. Ah dans 50 ans, hein. Et là, je l'ai fini de charger parce que. C'est 8 ans plus tard, t'as le mec qui a complètement oublié sa console et tout d'un coup il voit le warning anti-piratage et tout et le menu, il est en mode non, sérieux? Waouh! Ça s'est lancé! Waouh! 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 Ah, il spend charm, waouh! And you're gonna say waouh every time it drops down. Merde, la toute petite pièce que je pense. Quoique. Non? Non, non, ça c'est le... C'est de la merde ce manoir en fait, hein. Pourri ce truc quand même, hein, en vrai. Ouais, non mais quand on y pense... Oui, non mais c'est de la chiasse, j'arrive pas à me repérer. En vrai, quand on regarde comme ça... Ah bah tiens, je l'ai retrouvé le tigre. Voilà, tiens, voilà. Prends ton œil bleu et donne-moi mon symbole, fous-moi la paix, tourne plus vite, que je puisse la voir vite. Merci beaucoup, connard. Nique ta mère. Crocon. Moi ce que j'adore c'est l'inscription. Moi ce que j'adore c'est l'inscription sur le truc quoi. L'inscription qui est juste. Attends, je vais te la lire dès que le tigre aura fini de tourner, parce que visiblement ils en étaient très très fiers de leur animation de tigre qui tourne. Hein. Tu dois la regarder jusqu'au bout. Voilà. On y lit. Certains tigres ont un œil rouge et un œil bleu. Non. Wow. Dans quelle logique? Alors, je sais pas ce que j'allais dire dans quel monde, mais bon, après... Voilà. Non, mais on peut se demander, hein, écoute... Ah non, non, mais Capcom l'a dit, hein. Capcom l'a dit, des filles de 18 ans peuvent être médecins secouristes et dans l'armée, hein. Y a pas de souci. Et donc, certains tigres peuvent avoir un œil rouge et un œil bleu.
pourquoi tu... pourquoi tu juges? Voilà, pourquoi tu juges? Qui t'es pour juger leur logique? Hein? T'es développeur de jeux vidéo, toi? Non, t'es calme, alors. Non, bah voilà. Tu travailles pour Capcom? Attends. Tu travailles pour Capcom, toi? Non, hein? Bah voilà, hein. Bah voilà, t'en sais rien. Qu'est-ce que t'as demandé à Chris Capcom? Et bah voilà, bah ta gueule, du coup, maintenant. Hein, bah t'as un problème contre les filles dans les mechas aussi. Les gamines de 12 ans dans des mechas parce que LOL elle joue trop bien à des jeux vidéo donc on lui donne un mecha. Mais quoi, quand on déconne. Techniquement, Diva à 18 ans elle est légale. Hein. Non. Oui, non mais bon, à quel moment tu engages quelqu'un en mode ah bah tiens, elle joue bien aux jeux vidéo, je vais lui demander de prendre un mecha pour sauver le monde. Mais Renard, tu n'as pas compris, c'est le futur. Voilà. Ouais, bah dis donc, le futur, on est mal barré. Oui. Oui, non mais moi, ce que j'aime bien, c'est... j'aime bien les Coréens sur ce coup-là dans Overwatch, c'est en mode eh bah dis donc, toute notre armée arrive pas à combattre les Omniques, on va envoyer des gamers. On va envoyer des gamers. La logique, on s'en bat les couilles. C'est ça. Tu vois leur mot pour gagner à chaque. Leur pour gagner à chaque, d'accord. Voilà. Tu vois leur pour gagner à chaque. Oui, bah, c'était très drôle comme blague. J'ai beaucoup rigolé. Hein. J'avoue, là, je suis mort de rire. Ouais, mais moi j'ai aussi, pas hein. compris, mais ça avait l'air très drôle. Non, mais en fait, Drago, tu comprends pas. On rit tous à l'intérieur pour éviter de te blesser avec des éclats de rire. Non, mais Discord, il t'a censuré en mode non, ta blague est pourrie. Non, mais tu peux même pas l'entendre. Pas Non, mais attends, regarde. Discord qui était en mode, mais c'est une blague de Drago, je vais pas laisser passer ça, ça va, oui ou quoi? Mon dieu, si quelqu'un l'entend, il y a des gens qui vont se suicider dans le studio. Voilà, j'ai ouvert la porte, youpi. J'ai enfin accès à la suite du jeu, mais ça fait quand même déjà une heure de vidéo, donc... Donc allez vous faire foutre. Alors, je vais juste pousser l'escabeau, voilà. Moi aussi, il faudrait quand même que tu loupes jusqu'à 2 heures. Quoi? 2 heures sur cette purge, mais t'es fou, toi. Ça va la tête ou quoi? Encore, ce serait avec Jill, je le ferais, hein, mais avec Chris. Ouh. Okay, t'as un polygone sympa avec Jill. Ah bah super, j'ai récupéré la manivelle. Lololol. Ouais, on va pouvoir tourner la manivelle. Et on peut tourner les manivelles. What? Bon, est-ce que je vais avoir droit à l'appel radio devant la porte, là? Oh, j'ai dormi. Non, mais ce jeu, qu'est-ce qu'il était pourri. Ok, les chiens ont essayé de me sauter dessus, disons que le coup de fusil à pompe dans la gueule, ils l'ont pas aimé. Ah, bizarrement. Par contre, les chiens qui peuvent prendre plus d'un coup de fusil à pompe sans mourir, oui, non. En vrai, non. Oui, non, just fuck you. Oui, non, mais je veux dire, un coup de fusil à pompe à bout portant, il se relève, hein. Je m'en fous que ce soit un chien zombie. C'est... Non. Juste fuck you. Ah d'ailleurs... D'ailleurs j'adore parce que Chris, lui, il a pas sa radio de police, hein. Non. Il y a que Jill qui a pensé à la prendre. Non, c'est le truc qui te la donne, hein, Richard. Ah oui, c'est vrai. C'est Richard. Oh ben... Je me balade toujours sur le site, tu vois, vu que je pense que je vais prendre un 315p pour aller avec le constellation. Et donc, je regardais, tu sais, je vois qu'il y a une brochure qu'on peut regarder, tu vois. Du coup, je clique dessus pour regarder. Tu vois que c'est un des premiers vaisseaux qui a été sorti, hein. Ah ouais? Oh putain, la brochure, qu'elle est mal faite. Oh putain, c'est moche. Sinon, Resident Evil 1 souffre exactement du même problème que Resident Evil 2. Et Shiro sait de quoi je parle. Ah. Cette putain de manivelle qui ne quitte jamais ton inventaire, même quand t'en as absolument plus besoin de tout le jeu. Ah, il te demande pas si tu vas la balancer vu qu'elle sert à rien? Non. Non, mais sans déconner. Ils ont pensé pour les petits. C'est genre là, il me la redonne. Là, il me la redonne et je sais très bien pourquoi il me la redonne. Parce que j'en ai besoin. Je vais en avoir besoin dans la suite du jeu pour faire remonter l'eau. Mais une fois que t'as fait remonter l'eau, t'en as plus besoin de cette saloperie. Du tout. C'est de la merde. Mais oui, mais voilà. Voilà, je vais envoyer le screen rien que de la couverture de la brochure. Le vaisseau.
Just wow. Voilà, ça c'était voilà. De la préparation. Il n'y a aucun chien qui a réussi à me becter. LOL. Bah quoi LOL? Power, you can touch. Ah oui, on tu vois pas que les graphismes du vaisseau sont dégueulasses? Non, non. Ah oui, Shiro aussi, ça me fait bien rire. Hein. Ah, tu sais, quand tu baisses le niveau de l'eau dans le jardin et tout, hein, ouais. Et que tu prends l'ascenseur, ouais. Tu vois où ça en est là, hein. Ouais. Et tu peux pas atteindre l'échelle derrière parce qu'il y a l'eau qui coule du conduit. Mon dieu, il veut pas être mouillé. Oh non, sérieux. Oui, oui, c'est ça, c'est la même chose qu'avec Ada, tu sais, quand on avait joué. Ah, où tu dois aller fermer la manivelle pour passer en dessous parce qu'il y a un petit filet d'eau qui passe. Non, mais c'est terrible, tu te rends pas compte. Oui, non, mais c'est pas encore dans le premier, quand tu regardes le remake, tu te dis, ouais, moi non plus, je passerai pas en dessous en fait. Oui, mais là, là, sans le remake, non, là, tu passes en dessous. Hein. Sans aucun souci. C'est genre, c'est une petite cascade d'eau, ok, tu vas être mouillé, mais ça se sauvegarderait. Enfin, ça te sauverait tellement d'heures de jeu. Juste aller là en bas et puis combattre le boss final, et puis voilà, c'est bon, c'est marre, on a fini. C'est marre. On en a marre. On en a marre. Drago, pourquoi tu te sens obligé de reprendre toutes les expressions que tu comprends pas? Je sais pas. Pourquoi il a dit... T'as tiens, dit pas, tu l'as déçu, là. Tu l'as choqué déçu. En gros, j'ai utilisé une expression qui est assez connue, hein, en mode... Oui. Bah, tu fais ça, et puis c'est marre. Ah, bah oui, ça vient de Kaamelott, en plus. Bah oui. Ah, non, ça vient pas de... Je connais pas, moi. Donc, On tue tout le monde, et puis c'est marre, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, et ça veut juste dire, et puis voilà, chose. C'est fini. Et c'est bon, quoi. Voilà. Et évidemment, Drago, comme il a pas compris, il a fallu qu'il fasse une petite chanson avec le momard, histoire de... De passer pour un con, comme d'habitude. En fait, Drago, c'est Perceval, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Ah non. Par contre... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et Drago, il a pas compris. Non mais un jour où Drago comprendra quelque chose, je t'appellerai. Oui. Ouais, tu m'appelles, hein, parce que ça je veux le voir. Des choses que je comprends. Oui, c'est comme Perceval, ça se compte sur les doigts. J'adore, les chiens, il leur faut 5 coups de fusil à pompe pour mourir, mais un zombie c'est un coup. Ah. Voilà. Mais tu peux viser ouais. La tête. Drago. Tu vois le 300i à quoi il ressemble? Ouais. Tu sais, je voulais juste m'en servir de caisse ou quoi, pour me déplacer sans forcément déplacer l'Andromeda. Il ouais. Peut porter 8 tonnes le 300i. J'aimerais savoir où. Non mais sérieux, encore une clé bureau? T'es sérieux là? Non, j'en veux pas de ta putain de clé bureau. A chaque fois c'est juste pour avoir 15 balles. Non, ça donne des cartouches de fusil à pompe une fois que tu l'as récupéré. Oui bah j'ai le livre rouge à récupérer d'abord. Ah, ah oui, non. Mon dieu. Alors vérifier, oui, je crois qu'il faut ouvrir le livre pour récupérer un truc à l'intérieur. Oh mon dieu. Non, il est vide. Toutes les pages sont blanches. À quoi ça sert-il? Ah oui, il faudra le placer dans une bibliothèque. Ma... Pardon. C'est vrai. Le bureau c'est est logique. Fermé. Ah mais merde. Je reviens. Mais la clé bureau, elle était là, le bureau était à côté. Et je le savais pas. Et du coup, bah je peux plus prendre d'objets. What? Voilà, parce que j'ai la manivelle qui encombre mon inventaire. Sympa. Ça la va, baignoire... Naz, on sent à peine que tu es un peu... La baignoire est remplie d'eau gauze, la vider, vous voyez. Et y'a quoi là-dedans? Moi je dirais non. Qui joue foot? Et c'est quoi? C'est la clé machin truc, ouais. Je peux plus prendre d'objets de partout, c'est génial. Tout ça parce que j'ai une manivelle qui ne me sert strictement à rien dans mon inventaire. C'est sympa. C'est cool. C'est j'aimerais juste aller... Parce que si j'arrête maintenant, je sais que je vais oublier. Trouver une salle avec un coffre. Hein. Que je puisse déposer ces saloperies. Et ensuite aller récupérer ces deux clés.
Donc du coup, salle avec un coffre, il y a ça quelque part, genre celle-là. Ça, c'est la partie que je trouve la plus chiante du jeu, d'ailleurs. Les allers-retours ? Non, la partie avec la plante. Oh, bah tu lui balances une lycéenne, ça passe. Il y a un panneau avec des touches. Il a pensé touches. À faire la blague, là. Il y a un panneau avec des touches. Pousser les touches, oui. Ah oui, c'est là où il faut illuminer tout le panneau, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est genre l'énigme la plus chiante du monde, quoi. Voilà. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Est-ce que c'est seulement possible ? Pourquoi des bras mais... Non, mais je pose la question, là. Est-ce que c'est possible ? Ben oui, c'est... Non. Ta gueule. Je me suis arrêté. Oui, merci. Il y a un panneau avec des touches. Pousser les touches, oui. Bon, si je commence par la touche 1. Ok, ça fait ça. La touche 5, ok. Touche 7. Touche 3. Touche 9. Et il y a quand même... Mais il y a quand même un truc qui, de toute façon, reste... Non, attends. Non, 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 ça... Ça doit être jouable. Non, je confirme, c'est possible. Je viens de le faire. Sans le vouloir. C'est génial. J'ai fait le truc au pif et ça a ouvert la porte. Génial. Ah, c'est là où il y a les éléments chimiques pour tuer la plante. Ouais. C'est inutile, Chris ne connaît pas les produits chimiques. Lol. Le jeu qui te rembarre gentiment en te disant non, non, c'est pas encore pour tout de suite, connard. Non, non, tu sais, en fait, ton perso, il est un peu trop con. Voilà. C'est fermé. Sur la plaque. Je crois que ça, c'est le truc le plus frustrant du jeu. C'est en mode... Voilà, vous avez trouvé quelque chose, mais vous êtes trop con pour vous en servir. Voilà. Merci cordialement. Attendez de lire le document qui vous expliquera comment faire, mais je sais déjà... Ah non, même pas, c'est Rebecca qui va s'en servir. Ah ouais ? Oui, non, parce que toi, t'es clairement trop con pour t'en servir. Non, mais Chris, c'est un crétin, en fait. Ouais. Sans déconner. Mais carrément. Et pourquoi c'est devenu le héros de la plupart des jeux Resident Evil ensuite ? Non, il est juste devenu le héros du 5. Hein. Oui, non, mais sérieux, Jill, elle fait juste limite des caméos à côté, quoi. Bah, elle a eu son propre jeu à elle toute seule. Si tu veux mon avis, c'est pas encore assez, hein. Puis après, bah, en fait, c'est Léon et Claire qui ont eu leur jeu, du coup. C'est fermé, sur la plaque, on peut lire 002. Oui, je sais plus du tout comment on résout cette énigme. J'aimerais juste trouver une salle avec... Ah non, 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 pardon, elle a eu deux jeux à elle toute seule, Jill. Oui, mais tout le monde semble se souvenir de Chris plus que de Jill, je sais pas pourquoi, alors que son gameplay est clairement plus frustrant et plus chiant. Parce que... simplement... Elle est passée de rousse à blonde. Ah. Ça frustre les gens. Bah oui, regarde dans Resident Evil 5, au début du jeu, elle est rousse, et puis à la fin, elle est blonde. Non, non, en plus, je suis sérieux, hein. Y a plein de monde qui arrêtait pas de dire « Ouais, pourquoi est-ce qu'il est passé de blonde à rousse, de rousse à blonde ?» On s'en branle. On s'en fout. Mais en plus, j'étais vraiment comme toi, j'étais en mode « Mais on s'en branle. » Mais totalement. Et puis surtout, dans Resident Evil Révélation, eh ben, elle est brune. Non, mais en fait, ça, la révélation... Ce qui a l'air de choquer personne, et ça se trouve, bah, elle se fait des teintures. Elle a pas le droit ou quoi ? Bah peut-être. Oui, surtout qu'en plus, si tu as un raisonnement logique, puisqu'elle est passée dans un bassin de produits chimiques, dans le 2, enfin dans le 5, puisque il y a un moment où tu essayes d'ouvrir sa cellule, mais elle est plus dedans. Ouais. Mais parce que c'est des produits chimiques, hein, bah tu dis juste que c'est des produits chimiques qui ont fait déteindre ses cheveux, c'est tout. Oui, c'est ça. Si t'as un peu de logique, après si tu n'as pas de logique, je peux rien pour toi, moi. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est quoi ici? Oh, un chargeur de flingue. J'en ai plus rien à foutre vu que j'utilise plus que le fusil à pompe maintenant, hein, mais... C'est gentil d'avoir pensé à moi. Voilà. C'est gentil, mamie, d'avoir pensé à moi. J'étais content d'avoir des chaussettes. Oui, c'est sympa. Quoi? Bon, cette porte-là, c'est la porte de la salle du coffre. C'est... Putain, mais il y a où une salle avec un coffre de rangement dans cette zone de merde? Ah, et en plus, avec Chris, t'as deux coffres en moins qu'avec Gilles. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils sont du bon, on va faire un déménagement parce que c'est pas le même perso. Non mais tu vas pas me dire que c'est précisément dans cette zone là. Parce que là je vais me suicider, hein, si c'est le cas. Si je dois retourner jusqu'au manoir juste pour ranger deux objets. Ah non, dans la salle avec la plante, il y a que deux coffres et il y en a un qui est accessible directement. Mais la porte elle est un petit peu cachée, du coup tu devrais juste regarder un petit peu. Je vais regarder le plan. Mmh. Ah, apparemment il y a une porte que j'ai pas vérifiée. Mais je sais pas laquelle c'est. Attends, je vais juste rentrer dans cette porte en vitesse pour voir où je me situe sur la carte. Voilà, chose que t'aurais pas eu à faire, hein, on va dire si. Ah bah tiens, c'était la salle du coffre justement. Bah voilà. Nickel. Bon, je m'en fous qu'il y ait des coffres en moins, mais qu'il y en ait au moins. Bordel de chiasse. Bon, du coup, j'ai mis la manivelle et le livre vide dans le coffre, hein. Voilà. Je aussi... Oui, parce que le livre vide, c'était le truc indispensable à ta vie, par contre. Oui. Prendre le spray premier secours. Enfin, il y a des logiques qui m'échappent un peu dans ce jeu. Tu prends parce que le jeu te le donne, mais sinon, en vrai, un livre avec des pages blanches. Je vais garder ça dans ma poche, on sait jamais. Oui, alors qu'en vrai... En vrai, tu fais un livre blanc. Hop, je le balance. Voilà, c'est ça. Je veux dire, t'aurais aucune raison de garder ce truc. T'es pas en mode, ça va peut-être me servir pour une énigme plus tard. Surtout dans une apocalypse zombie, on va dire. Je pense que dans une apocalypse zombie, les livres, c'est un peu le dernier de tes soucis. Clairement. Moi qui aime pas lire, en plus. Moi, j'aimais bien dans le temps, mais en fait, je réalise que maintenant, ouais, plus de temps que ça. Mais j'aimais bien lire. J'aime bien lire, mais j'en suis un peu dégoûté parce que la fac, on nous force à lire des livres. Oui. Et disons que, bon, ouais, ok, ça parle d'architecture, mais pff, j'en ai à foutre, moi, que machin bidule, il s'est suicidé parce que son... Allez, il a fait une erreur de calcul, je sais pas, moi, il avait qu'à revérifier ses calculs au lieu d'être con. Oui, et surtout, voilà, on te force à lire des livres qui sont, pour les trois quarts du temps, pas intéressants du tout. Et qui ont été écrits par des connards. Voilà. Bon. Heureux. Heureux. Bon, c'est quoi cette clé à la con là? Prendre la clé pièce C. Ah oui, c'est la clé de la pièce de contrôle, celle que j'avais foutue dans le coffre négligemment. La première fois et que je savais pas ce que je vais faire. Ah, le. Là où tu te vois aller avec. Où il y a les requins? Oui, oui. Tu te sentais pas un peu baisé là? Ben oui, parce qu'en fait, le pire c'est que j'avais en plus regardé la vidéo de SciFac où il disait qu'il suffisait simplement d'aller dans une pièce et d'appuyer sur un bouton. Et du coup j'étais en mode oui mais les pièces elles sont fermées. Et surtout cette clé, la clé pièce C. T'es en mode oui bon bah je vais trouver une porte avec un gros C dessus. Non ça veut dire clé pièce de contrôle. Ok. Ah oui carte bah, de contrôle. C'est évident attends. Non mais qui n'a pas compris Bah toi. Je l'ai compris avant même que d'avoir le jeu hein. Bah oui. Ah oui. Évidemment, hein! Puis ça t'est jamais arrivé de dire à des proches et tout, et dis donc, elle est où la clé M? Hein, pour clé. Ouais, non, mais c'est ça, attends, je veux dire! Hein. Et elle est où la clé T? Parce que je dois vraiment y aller là! C'est fermé! Bon, les mecs, vite, la clé W, putain! Oh mon dieu! Putain! Bon, bah maintenant il me faut la clé placard à balai. Oui, s'il vous plaît. Oh mon dieu. C'est fermé. Sur la plaque, on peut lire 003. Youpi. Wow! Ça ne bouge pas du tout. Il semble que ça bloque de l'autre côté. Ouais, il semble que je vais arrêter le jeu là pour l'instant, hein, aussi. Il semble que ça commence à le saouler. Oui, puis là, ça fait 1h19 que j'enregistre, hein, donc... Ah oui, effectivement.
Bah, c'est à dire que tu l'aimes beaucoup ce jeu. Bah, c'est pas que je l'aime beaucoup, c'est juste que j'ai envie de le finir vite. Et là, quand t'en es à ce stade du jeu, ouais, t'es vraiment plus très très loin de la fin. Hein, c'est. Il reste plus grand chose à faire après ça. Le passage avec la plante, en fait, une fois que tu sais ce que tu fais, tu réalises qu'il est monstre court. Non, mais quand tu sais pas ce que tu fais, par contre, t'es en mode ouais, putain, qu'est-ce que je fous. Oui, c'est ça. C'était le cas avec Jill. Ce qui est cool, c'est que si t'as déjà fait le jeu avec Jill ou Chris et que tu recommences ensuite avec l'autre perso, bah les énigmes sont exactement les mêmes, donc. Du coup, c'est vachement plus simple. Oui. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Vachement mieux. Et du coup, il y a une pièce que j'ai pas vérifiée là dans cette salle où. Celle-là ? Non, ça c'est la porte qui mène à l'extérieur. Ok. Ça c'est la porte qui mène au WC. Ouais, attends. Du coup, je rentre là. Ok. Et la carte change totalement, histoire de bien me faire perdre mes repères et pas me faire savoir où je suis. Sympa. Ah mais non, c'est juste la porte qui mène à l'extérieur et c'est tout, quoi. Y a rien d'autre. Okay. Quoi, tu t'attendais à autre chose? T'es pas content? On rembourse pas. Connard. Du coup, là, c'est la pièce de sauvegarde. Là, c'est les deux pièces à la con. Bah c'est génial parce que j'ai vraiment aucune idée de où je dois aller ensuite, hein, c'est parce que toutes les portes sont fermées en fait. Enfin bref, je verrai ça la prochaine fois. Ah, et c'est génial parce qu'ils ont écrit ECG dans le menu, hein, qui est électrocardiogramme, évidemment. Sauf qu'ils l'ont tellement mal écrit qu'en gros, on dirait que c'est 2G, ce qui forme le mot egg, qui veut dire œuf. Donc, en gros, dans le menu, on dirait que c'est écrit œuf à côté de ta barre de vie. Ah, voilà. La vie de l'œuf. Parce qu'en fait, oui, voilà, il faut protéger l'œuf. Voilà, la vie de l'œuf est dans le jaune là. Hein. Si jamais. Oh non, c'est le pire, c'est que c'est vrai, hein. Ma barre elle est jaune, pour de vrai. D'ailleurs, le jaune d'œuf c'est bon. Lololololol. Voilà, sur ce les gens, cette vidéo vous a plu pour les Je pense que les gens ont perdu toute foi en l'humanité après cette vidéo. Non, ils ont perdu foi en notre chaîne en tout cas, ça c'est sûr. Si des gens avaient déjà foi en notre chaîne à la base, hein, ce dont je doute. Oui, ce qui est déjà parti depuis longtemps à mon avis, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, les gens, cette vidéo vous a plu pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, tout ça nous ferait énormément plaisir. Vous pouvez sinon rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Bah, sur ce, moi je crois qu'on vous a tout dit, donc c'était Nasband, Zetri, Shiro, Renard. Bye. Voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Pour vous servir, bye. Ah, il y a Drago aussi, pardon. Excusez-moi. Non, mais, je suis tellement choqué déçu qu'il n'y a plus rien depuis une Voilà. Pour vous servir, bye.